assisté au stage d'anamnèse positive il y a un an maintenant. Et j'ai une anecdote à raconter sur une mise en application directe de ce qu'on a vu lors de ce stage. C'est l'histoire d'une patiente que je suis régulièrement et qui est quelqu'un de très anxieuse. Et donc c'est quelqu'un que j'accompagne en fin de consultation où je lui dis que s'il y a quoi que ce soit dans les jours qui viennent, surtout elle n'hésite pas à m'appeler pour qu'on discute et qu'on échange sur les suites de la consultation. Et cette dame m'appelle comme à chaque fois le lendemain de la consultation et me partage ses douleurs en me disant que c'est terrible ce qui lui arrive suite à la consultation. Et c'est là que, apparemment, de ce qu'elle m'a raconté, puisque j'en avais pas le souvenir sur le moment, j'ai appliqué directement les méthodes de Mathieu et je lui ai répondu tant mieux. Et elle m'a raconté des mois après que, en fait, ce tant mieux lui avait changé le focus sur sa douleur. Et elle s'était rendue compte avec ce tant mieux que finalement, si elle avait ses douleurs, c'est parce que ce qui se passait dans son corps, ça bougeait, et que c'était pas si grave, et qu'elle était vivante. Et je l'ai plus vue pendant quelques semaines. Tout d'abord, j'ai été surpris, puisque je me souvenais pas de l'anecdote. Ça m'a amusé, parce que j'aime beaucoup ce tant mieux. Et ensuite, évidemment, j'ai ressenti... j'étais heureux, parce que c'est quelqu'un que j'ai pu aider avec quelque chose de très simple, et surtout, je ne l'ai pas aidée en corrigeant quelque chose. Elle se sent mieux elle-même. Elle a repris un peu le contrôle de ses sensations.